maintenant qu'on est arrivé sur le concours, eh ben on va s'installer. Je te fais un timelapse, hein. Il faut qu'on avance, hein, clairement. J'ai pas le temps de vlog. Donc ça, c'est le moment critique, parce que s'il y a trop de vent, bah la tente, elle se barre. Et on n'a pas rempli la flotte avant de monter la tente. Ah, bravo. Bravo. Ok, ça fait 3 mois qu'on ne l'a pas monté, le centre, mais quand même. Bon, bah on va rester ici, on va le tenir. Hein. Un petit vent bien sympathique. Et franchement, je préfère vraiment mettre les sardines que cette connerie. Ça, c'est l'enfer, mais vraiment. On part à la reco. D'habitude, moi je reste au stand et je finis de monter le stand. Et là, forcément, vu qu'on vlog, et bah, je viens avec eux. Et aujourd'hui, on a Océane, c'est ça? Non, Charline. Charline. Oh là ouais. Là. Moi, je sais plus. Moi, on m'a dit c'est la DP de Miel qui vient. La DP de la relou. La DP de la relou. Ah, l'ancienne DP, du coup. Donc, du coup, on passe à la reco. Et du coup, bah, quand on est photographe, on fait pas l'arco comme tout le monde. Bah non. Je sors strictement rien. Nous, on s'en fiche de savoir combien il y a de foulée entre chaque obstacle. C'est pas grave, nous ce qu'on veut savoir c'est bah, quel est le tour et surtout où est-ce qu'on peut se mettre pour gêner personne. Ce qui est toujours agréable, hein. Bah, bon, on va pas se mentir. Il y a rien de pire que de se faire emmerder par le photographe, on est bien d'accord. Du coup, oui, Charline est en formation. Le 3, le 4. Point important également, toujours voir les options. Genre, même les options impossibles, faut les prendre en compte. Ouais, non, mais parce que des fois, il y en a, ils font complètement pareil. Ils te prennent des options, ils étaient pas prévus au programme, même le chef de piste, il s'y attendait pas, et ils les prennent quand même. Donc, ça aussi, faut faire gaffe. À mon avis, tu vas être trop près. C'est sûr, ça va être compliqué. Bref, pour te parler un peu plus de ce concours, aujourd'hui on est à Conty-la-Roulotte et c'est un concours qui est plutôt cool parce qu'on est le 1er octobre et bah, c'est un concours octobre rose et donc du coup 1 euro est renversé, 1 euro par engagement est reversé bah, à l'association octobre rose et tout ça. Donc en vrai c'est super cool et c'est un concours qu'on est sur 2 jours, on a un peu moins de 300 partants sur les 2 jours. Aujourd'hui on a une centaine de partants amateurs, enfin c'est des amateurs avec des prépas ouvertes au club et demain c'est Club Poney. Comme tu as pu le voir dans l'intro, hein, le photographe est bah ça c'est un des premiers points, c'est toujours l'un des premiers à arriver, même des fois on est avant l'organisation, c'est pour te dire, tellement prévoit un peu d'avance, on est là en premier et on se barre souvent en dernier, hein. ça fait partie d'une journée de concours, donc les journées peuvent être parfois très très longues. Du coup, on est de retour au stand, je vais finir d'installer les petites banderoles à droite, à gauche, finir d'installer le stand et puis on sera bon, là le premier en piste il rentre dans 2 minutes, donc Lucie elle est restée au milieu de la piste. Et ça va être bon, ça va être parti là. Oh non, je vais aller un peu sur la piste, on va parler du métier de photographe et tout après. Tu vois, ça va être cool. Mais d'abord, faut que je les installe quand même, c'est mieux. Bon voilà, on est installé, je viens de faire la petite story afin de vous demander quelles sont vos petites questions sur ce métier. Et bah, je vais attendre que j'ai hâte d'avoir des réponses et puis on va voir ça tous ensemble, tout simplement. Oui. Et je vais aller sur la piste là. On va aller filmer un peu Lucie en attendant que vous me répondez. Du coup, j'en profite, je vais lui ramener une petite carte. Alors oui, ce ne sont pas des cartes SD, ce sont des compacts flash, c'est des cartes un peu plus grosses. Parce que le boîtier de Lucie prend ça et que bah, je lui ramène une carte et je reprends la carte où il y a les photos. Enfin, faire des vidéos sur le PC et puis il va pouvoir vous les montrer. C'est vrai que souvent on a les photos en fin d'épreuve. Coucou. Coucou. Ça va, ça se passe bien. Oui, il a été vite le dernier. Ouais, elle a été vite. Bah, elle a gagné. Voilà. Oh, elle a gagné. Prépa. Ah, c'est une prépa, du coup elle a pas gagné. D'ailleurs, les gens, s'il vous plaît, arrêtez de dire que vous avez gagné des prépas. Frérot, t'as juste fait sans faute. Hein. Tous les sans faute sont premiers. Donc, arrêtez de vous vanter sur les réseaux en disant ça, c'est débile. Voilà, merci. Oui, là, il devait faire beau et là, il caille. On dirait... Mais tu vois, ouais. Le ciel chocolat chaud quand il est très chaud. C'est pareil dans le ciel. Tu me saoules. En vrai, le vlog, fallait absolument vous le tourner là, parce qu'après, on allait rentrer dans les périodes où on se les caille. Et surtout, les périodes où on bosse pas ensemble. Oui, en plus, oui. Oui, parce qu'après, forcément, maintenant, on se dédouble. Parce qu'on a plusieurs terrains, on a des terrains, enfin, on a 2 concours les mêmes jours. Après, moi, je me casse, je vis tout seul. Je ne la vois plus le week-end. Tant mieux.
fais quoi les derniers? Bah ouais, ça s'est enchaîné tout à l'heure et là t'es arrivé, ça fout la merde. Ouais grave, c'est ce que je vois. Regarde, elle est trop mignonne. Il faut les croissants, en vrai, il faut les croissants pâtes. J'ai récupéré les photos, donc on va les copier dans des dossiers. Ça, faut savoir que, de toute façon, vous le voyez bien quand vous allez sur les concours, il y a plein de photographes qui fonctionnent de plein de manières différentes. Nous, on fonctionne en manière simple, c'est-à-dire que on met les photos dans les dossiers, on cherche le cheval, et puis après, on les fait défiler tout simplement. Ouais, il y a plein d'autres qui font différemment. Pour l'instant, on fait comme ça. Là, on se tâte avec peut-être prendre des tablettes et du coup montrer directement aux gens, que les gens puissent regarder par eux-mêmes. Après, faut juste tout mettre en réseau. On explore plusieurs pistes. Hein. Le but, c'est quoi? C'est que sur le stand, ça soit le plus fluide possible. C'est-à-dire que moins les gens attendent, mieux c'est. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a investi dans cette belle petite imprimante, voilà, qui coûte une fortune, un peu plus de 1000 euros. Mais les photos sortent en quelques secondes. Hein, voilà. Donc, comparé à avant où les photos sortaient en une minute, les petites sortant en une minute, je doute bien qu'on fluidifie vachement le flux au stand et c'est clairement pas négligeable, hein, on va pas se mentir. D'avoir une rafale devant le stand, il s'est envolé, j'ai eu trop peur, genre j'ai coupé la cam et le truc, tout est parti, j'ai eu trop peur. Première question de Zoé LMV qui demande comment on devient photographe de concours. Et bien moi je vais te répondre très très simplement, il te faut un bac plus 2 en YouTube ainsi qu'un doctorat en motivation, et sans ça, ça va être très compliqué de devenir photographe de concours, clairement. Il y a un truc, c'est l'objectif. Ouais, c'est mieux. Pourquoi? Parce que sur YouTube, tu retrouves énormément d'infos pour devenir photographe. T'as énormément de gens qui font des vidéos de YouTube sur ça. Et clairement, tu peux apprendre la photo uniquement avec des vidéos YouTube. Tu t'achètes ton matos, tu regardes des vidéos YouTube et tu peux déjà t'améliorer, quelque chose de ouf. Après, il y a quelque chose que tu ne pourras jamais avoir en simplement regardant des vidéos YouTube. C'est d'aller sur le terrain, hein, de rentrer dans le dur. Et pour rentrer dans le dur, la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est comme fait Charline aujourd'hui, c'est tout simplement de trouver un autre photographe qui fait déjà du concours. Tu passes un pacte de non-agression, j'ai envie de dire, avec lui, c'est-à-dire que ce photographe-là va te former, tu vas bosser avec ce photographe le week-end, et en l'échange, entre guillemets, tu vas pas lui piquer ses terrains de concours. Voilà, c'est un pacte comme ça qu'on fait, voilà, ça s'appelle juste pas être une pute. Et voilà, et après, il faut travailler, quoi, faut s'acharner. Certains te diront que ne pas faire d'école est une hérésie, moi je suis absolument pas d'accord, aujourd'hui, il faut juste de la détermination, les gars. Juste en étant déter, en ayant un peu d'argent, et donc du coup, en bossant à côté, on va pas se mentir, parce que le matos coûte cher, on en reparlera sûrement après, juste en bossant et en étant acharné, tu peux devenir photographe de concours. Il n'y a pas d'école. Clairement, il n'y a pas d'école. Question de Léonie TG. Comment arrivez-vous à être aussi rapide pour trier les photos pour faire en sorte qu'elles soient prêtes dès l'épreuve finie? Eh bien, tout simplement, on prend pas de rafale. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de tri à faire, en fait. Tu prends qu'une seule photo, la bonne, hein, dans l'idéal. Et comme ça, tu n'as pas de tri à faire, tout simplement. Voilà. Pourquoi s'embêter? Ça fait partie du métier, savoir prendre l'instant au bon moment, en fait, tout simplement. Une autre question qui nous est posée par Equival46, est-ce que ça paye bien? Eh bien écoute, nous ça fait 4 ans qu'on fait ça, et Lucie peut en vivre que depuis, vraiment en vivre comme il faut, on va dire, que depuis un an. Donc est-ce que ça paye bien? Ça dépend de tellement de paramètres. Il y a des jours où ça va très bien payer, on va pas se mentir, par rapport au nombre d'heures que tu vas faire. Il y a des jours où tu vas rien faire, tu vas bosser comme un acharné, tu vas rien faire. Ça dépend de tellement de choses, les gars. C'est un métier qui est hyper aléatoire, mais c'est aussi le fait d'être à son compte. Quand t'as ton compte, tu sais pas combien tu vas faire quand tu vas bosser, entre guillemets. Enfin, en tout cas dans ce métier-là, parce que c'est pas une prestation, on n'est pas payé par les terrains. Nous, on vient sur les terrains et on donne des lots. D'ailleurs, faut que j'imprime les bons, hein, parce que beaucoup nous on offre des photos. Et c'est comme ça, entre guillemets, que se fait le deal. Voilà, tout simplement. Nous, on leur offre des lots, eux, ils nous permettent de venir sur le terrain de concours et d'être au milieu de la piste. C'est un jeu gagnant-gagnant, parce que c'est avantageux aussi pour un terrain de concours d'avoir un photographe. C'est plus valorisant, puis ça fait parler de lui un peu sur les réseaux sociaux, etc. Donc, en vrai, c'est carrément valorisant pour un terrain de concours, pour un terrain d'avoir un photographe. C'est même, il y a certains concours, c'est mort, c'est indispensable pour eux, tu vois. Est-ce qu'il faut absolument avoir un appareil photo professionnel pour être photographe de concours? Eh bien, la réponse, en fait, elle est extrêmement simple. Déjà, c'est pas tant le boîtier, c'est les objectifs qui vont compter, mais c'est surtout que quand t'es en plein soleil, t'auras jamais de problème. Quand t'es en plein été, en plein soleil, même avec un appareil photo entrée de gamme, il y aura pas de souci. Par contre, dès l'instant qu'il va commencer à faire gris, dès l'instant qu'il va commencer à pleuvoir, ou dès l'instant qu'on va commencer à rentrer en hiver et que la luminosité globale va retomber, bon courage. Parce que c'est même pas la peine, tu feras jamais de concours en indoor. Dès l'instant que la luminosité va tomber, tu vas devoir monter super haut dans les ISO.
tu vas pas pouvoir. Donc, est-ce qu'il est important d'avoir du matériel professionnel? La réponse est oui. Hein, malheureusement, enfin, heureusement, j'ai envie de te dire. Clairement, il te faut de gros appareils photo, il te faut de gros objectifs. Et quand je dis des gros objectifs, c'est des objectifs qui ouvrent beaucoup pour ceux qui comprennent ce langage. Donc, des 2.8 par exemple. Et puis, des gros boîtiers, bah, ça dépend de la marque. Hein. Nous, on est chez Canon. Donc, bah, on a un 6D Mark II en secours. Hein, et on a surtout le 5D Mark IV. Et là, lui-ci, idéalement, voudrait passer sur le R3. Mais bon, il y a d'autres choses à acheter avant le R3. Les 5D marchent très bien pour l'instant. Donc, on va rester comme ça. Oui, le R3, ah, c'est un appareil photo. Non, un appareil photo lui-même. Il n'y a pas les batteries, il n'y a pas les cartes. C'est pas les mêmes cartes. Et il n'y a pas les objectifs, 6 000 €. Voilà. Donc, on va attendre un peu. Hein. Je fais une petite coupure là pendant que je suis au montage. Hein, juste pour te montrer un truc. Ouais, il s'est passé des gros bails pas rigolos dans cette vidéo. Et du coup. Bah ouais, ah, bon bah voilà, je t'expliquerai en fin de vidéo. Mais donc oui, hein, pour répondre à ta question, oui, il faut du matériel professionnel, parce que sinon, bah, tu pourras pas être pro, hein, tu pourras pas prendre des photos dans toutes les situations possibles. Donc tu peux pas, voilà, tout simplement. Nouvelle question, c'est pas chiant, les gens qui prennent en photo à l'écran, si, extrêmement, et d'ailleurs je ne comprends pas l'irrespect que les gens ont à faire ça, parce que faut se rendre compte en fait que quelqu'un prend en photo à l'écran et que tu grilles, il va te dire « Oh bah ça va, c'est pas la même qualité de façon. » Est-ce que quand tu vas chez le boulanger, tu prends le croûton de pain, tu te barres et tu lui dis « Oh bah c'est bon, ça va, c'est pour pris la baguette en entier, c'est quand même pas payé. » Non, ben non. C'est pareil pour la photo, mon ami, c'est la même chose. Du coup, j'ai quand même une question qui revient souvent, donc j'ai envie de revenir dessus, c'est est-ce que c'est ton vrai métier? Oui, du coup, oui, Lucie vit intégralement de ça, donc elle fait bien sûr de la photo en concours, elle fait aussi du shooting pour les chevaux, elle fait aussi du mariage, elle fait aussi, enfin, elle fait tout simplement plein de choses. Et donc oui, du coup, bien sûr qu'elle arrive à vivre de son activité. Alors, c'est pas arrivé dès la première année, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est arrivé à partir de la... je crois que ça, c'est la quatrième qui commence, donc c'était à partir de la troisième année qu'elle a réussi à en vivre. Emilie WSG qui dit « Combien de couches de vêtements en hiver force aux photographes qui doivent se les cailler sous la pluie, sous le froid ?» Et bah, grâce à ça, hein, les vestes chauffantes qui coûtent 30 € sur Amazon ou sur AliExpress. Arrêtez d'acheter ça à des prix délirants, les amis, s'il vous plaît. Ah, en fait, un peu moins, on arrive un petit peu à les économiser. Mais en vrai, oui, quand même, quelques couches. Et oui, elles se les caillent. Mais déjà, même moi au stand, je me les caille. Sauf quand je suis bien au chaud dans un club house, hein, comme sur quelques terrains. C'est pas la majorité, malheureusement. Mais oui, on s'en vainc quelques-unes quand même, Mais pas trop quand même, parce que quand il y en a trop, après, c'est pire que mieux. Donc. Grosse galère sur le stand, j'ai dû tout bouger. J'ai remis un vraiment de ce côté là et à la base l'entrée était vers là. Ce qui est vachement mieux en fait par un point de vue visibilité. Le problème étant qu'il y a beaucoup trop de vent et que bah, ici on peut pas se planter dans le sol. Ce qui est l'idéal pour nous clairement d'être planté dans le sol, mais ici on peut pas. Du coup bah, on met ces trucs là, mais clairement il y a beaucoup trop de vent. Allez les gars, on va parler de la question qu'on nous pose le plus souvent, j'ai envie de dire, c'est la fameuse question du prix des photos. Hein. Alors déjà, nous, pour vous dire, en termes de prix des photos, nous, on s'est aligné en fait sur le marché qui est autour par chez nous. Et justement, votre question, c'est surtout, pourquoi est-ce que la photo, ça coûte cher? Je mets bien entre guillemets, parce que au final, quand tu connais, si tu penses ça, c'est que tu connais pas vraiment comment ça se passe et tu n'en as aucune idée, ce qui est normal, mais tu sais pas comment ça se passe. Et tu ne sais pas que le matos a notamment une durée de vie. Parce que c'est pour ça, en grande partie, ça coûte cher. Déjà, si tu fais le tour un petit peu de ce qu'il y a autour de moi, ça vaut plus de 1 000 €, le stand ça vaut 200 balles et encore ça vaut encore, bah un PC comme ça vaut presque 2 000, bah les écrans ça vaut 200 balles, enfin bref. Au total, depuis le début on a calculé, plus avec les petits accessoires à la con, parce que mine de rien c'est les petits accessoires à la con, les batteries, les cartes, les machins et tout, hein, ça c'est con mais au bout d'un moment bah ça chiffre vite, on est à peu près hein, entre 13 et 15 000 euros d'investissement pour le stand. Les appareils photo, faut comprendre qu'un appareil photo a une durée de vie, c'est pas t'achètes un appareil photo et tu le gardes toute ta vie, non ça marche pas comme ça du tout. Un appareil photo ça a une durée de vie qui se compte en déclenchement. Faut savoir que sur certains concours et ben on fait plus de 1000 photos, ce qui fait qu'un appareil photo, et encore par jour, alors des fois on fait même 1000 photos sur 2000 photos sur 2 jours. Un appareil photo du coup au rythme que nous on utilise sur des concours, hein, je parle vraiment sur des concours parce qu'en shooting forcément tu fais beaucoup moins de photos, en 2-3 ans ton appareil photo il est mort, et encore au bout de 3 ans ton appareil photo il commence sérieusement à déconner, et c'est normal, c'est normal. Du coup tous les 2-3 ans tu as en moyenne 3000 balles à remettre, ne serait-ce que pour acheter un appareil photo. Lui-ci on a 3, donc tu comptes, hein, voilà, ça te fait un billet de 7 000 € à ressortir, rien que pour ça, juste pour les appareils photo. Il y a les optiques aussi qui font prendre en compte, les optiques, les 70-200, les blancs que vous avez l'habitude de voir en vidéo, ça vaut 1 200 €. Lui-ci, donc lui-ci on a 2, il y en a un nouveau qui arrive qui est un 100-400 qui vaut 2 000 €. En plus de ça, ces objectifs là, faut les nettoyer très régulièrement, tous les ans faut les nettoyer, ça aussi c'est encore des billets, c'est plusieurs centaines d'euros qui partent. La photo, ça coûte cher. En plus de ça, vous prenez en compte bah, le temps qu'on passe, hein, parce qu'on arrive généralement, on arrive à 6 h du matin, enfin, ça, il peut arriver qu'on arrive à 6 h du matin et qu'on reparte à 23 h, c'est déjà arrivé. Tout simplement, juste bah, le savoir-faire.
tout simplement. C'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup d'expérience pour faire des photos. Tu payes aussi ça, tu payes aussi le savoir-faire, c'est ce qui est normal. Et c'est ça qui, au final, donne le prix de la photo. Parce que oui, non, hein, c'est pas, on va être honnête, hein, c'est pas imprimé qui coûte cher. Alors, l'imprimante en soi, vous coûte cher, hein, ça vaut plus de 1000 balles. Mais c'est pas imprimé en soi qui coûte cher, c'est tout le reste. C'est tout le reste, c'est pas imprimer une photo. Imprimer une photo, ça coûte pas grand chose. C'est tout le reste. Qui, ça pour le coup, coûte cher. Oui, coûte cher. Donc voilà, j'espère que ça aura éclairé un peu vos lanternes sur ce sujet. Après, sachez que les prix en fonction des régions changent énormément. Voilà, être photographe de concours, c'est aussi se faire rincer. Et là, on est sérieusement en train de se faire rincer. Le truc, c'est que, tu sais, d'habitude, je suis dans la terre. Et bah, dans la terre, ce qui est cool, c'est que bah, l'eau, ça rentre pas trop, tu vois. Quand t'es à l'abri, ça rentre pas. Mais là, comme on est sur le béton, la flotte rentre partout. J'avais les batteries et tout, là, les chargeurs ont pris la flotte. Ah, la galère. Comment fais-tu quand il pleut? On met une petite capote, parce on met que, la capuche. Parce que l'ancienne, elle est trempée déjà. Elle est dead. Et on trouve pas les nouvelles, on met la capuche. Là, là, c'est en dessous que je suis trempée, parce que je n'avais pas à la base ce manteau. Parce qu'il faisait beau, il y avait du soleil, et d'un coup... Donc, comment on fait quand il pleut? Eh ben on fait. Eh ben on fait pareil, comme quand il pleut tout pas. Pareil. Ça ne change. Mais trempé. Voilà, ça change absolument rien. Qu'il fasse moins 10, qu'il fasse 40 degrés, ça ne change rien. On n'est pas trop changeant par chez nous. Bon allez, on va répondre à la question. Toi aussi tu es photographe. Moi, Lucie en fait m'a tout simplement formé, hein, m'a formé sur la piste, elle m'a formé tout ça. Et oui, en effet, je prends certains concours comme là, bah, tout le week-end prochain et tout, là, le week-end où cette vidéo sort, bah, je serai sur la piste. Je serai pas ensemble, je serai sur la piste. Mais oui, bien sûr, Lucie m'a formé et puis... Let's go, on y va, tu vois. Ça prend combien de temps de retoucher des photos? Alors, comme on est en concours zéro, en fait, en concours, on ne retouche pas les photos. Pourquoi? Parce que sinon, on perd trop de temps. Les gens, ils veulent leurs photos rapidement, ils veulent que ça soit fluide au centre. Donc, on ne retouche pas les photos au centre. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on les recadre. Avant, on retouchait un peu, deux, trois trucs. Mais non, 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 il faut que la photo sortie de boîtier soit nickel. Les seules fois où on va retoucher, c'est vraiment conditions extrêmes. C'est-à-dire manège où la lumière, elle est pourrie. Donc là, on shoot en RAW, hein, pour ceux qui connaissent, donc on fait un format très très lourd en fait. Mais pour pouvoir reprendre vraiment tout, en fait, c'est le format shooting en gros. Là, sinon, on shoot en JPEG, pour ceux qui connaissent un peu. Et la photo doit être nickel sortie de boîtier. On ne retouche pas, alors certains sont peut-être outrés parce qu'on ne retouche pas les photos. Mais faites pas genre, quand le stand ça va vite, vous êtes content. Donc voilà, le stand faut que ça aille vite. Donc la photo doit être nickel sortie de boîtier. Ce qui explique aussi pourquoi c'est indispensable d'avoir du matos professionnel, parce que il n'y a pas le choix quoi. Enfin, il y a un moment, faut que ça débite quoi. Sinon, les gens sont pas contents en fait, tout simplement. Type désorientante. Compliqué de faire des vlogs comme ça en vrai, parce que je peux pas trop sortir du stand au final. Et Lucie, elle a pas trop le temps de vlogger. Donc en vrai, c'est mix FAQ, mix vlog, mix. Et puis en plus, c'était le mec du stand photo, il est là, il sort, il a une caméra dans les mains. Il est un peu chelou le mec, tu vois, il est un peu à but de lui-même. c'est un peu galère pour faire le vlog. Je fais comme je peux, je fais au mieux les gars, je fais au mieux. Bon, clairement, je vous avais parlé d'un concours sur deux jours, sauf qu'il s'est passé deux trois trucs le deuxième jour, hein, notamment hein, le fait qu'on a eu un sacré temps de merde. Et quand je dis ça, je pèse mes mots parce qu'en fait, il y a eu de la pluie toute la journée. Mais quand j'ai eu de la pluie toute la journée, ça a été juste horrible, à tel point qu'on a tué un appareil photo. Voilà, le 5D Mark IV, le gros appareil photo de Lucie, a pris la flotte, ce qui nous a mis dans une merde phénoménale, hein, parce que bah, déjà, heureusement qu'on avait des boîtiers de secours, hein, parce que bah, il a bien fallu finir la journée, donc voilà, hein, heureusement qu'on avait l'autre. Donc du coup, ouais, on a buté un appareil photo, ça c'était problématique, parce que du coup, il fallait absolument le retrouver, parce que comme on t'a dit tout à l'heure, on se dupliquait le week-end d'après, donc il nous fallait absolument un appareil photo. Du coup, message d'alerte aux potes, machin et tout, bref, on se démerde, on réussit à en trouver, et surtout, miracle de la vie, j'ai envie de dire, parce que cette chose-là, les gars, cette chose, c'est plus facile de trouver le Yeti que de trouver ça. Non mais, ça fait un an que c'est sorti, ce truc-là. Il était introuvable, ça fait longtemps que lui s'il voulait, hein. Ça n'était pas acheté sur un coup de tête, ça fait très très longtemps qu'elle le voulait. Sauf que ça, c'était introuvable. Et Wizzy Piketo R3. Et bref, on se rend au salon de la photo, on va chez Canon, le mec nous dit bah allez voir chez la Fnac, peut-être que j'ai entendu dire qu'ils avaient peut-être des promos. Bon bref, on se pointe à la Fnac, on demande pour le R3, le mec nous répond oui, trop bien, hein, des promos sur un boîtier que personne n'arrive ne serait-ce qu'à avoir en stock, c'est pas mal, on va pas se mentir. Et du coup, on vient la question du et du coup, on l'a sous combien de temps? Et là, le mec nous répond en détente, bah vous repartez avec. Ah, voilà, du coup, après quelques galères de cartes à cause de certains plafonds, hein,
on est quand même reparti avec, et donc ça fait extrêmement plaisir. Mais voilà les gars, encore une fois, quand on parle de prix de la photo, bah faut pouvoir avoir les fonds hein, pour se préparer à ce genre d'éventualité. Je sais qu'il y en a 2-3, ceux qui connaissent le monde de l'entreprise, ils vont se dire, bah frérot, en fait, comme dans toute entreprise, oui, mais je sais, on est d'accord. Sauf qu'il y en a beaucoup qui se rendent juste pas compte des frais en fait qu'il peut y avoir. Pour certains, genre t'achètes ton appareil photo, ton objectif, pouf, tu pars, et puis finis ton pipo et il n'y a plus de frais. Non, c'est tellement pas vrai, il y a l'URSSAF et tout ça. Si ça pompe pas mal même. Bon après il y a pour qui ce n'est pas un vrai métier, et puis bon cela on peut rien faire pour eux. Hein, allez juste vous faire voir et puis c'est tout. Sur ce, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu longue quand même, je sais, bon, je suis désolé, mais j'ai essayé quand même de faire au mieux. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à aller suivre Lucie hein, sur son compte Instagram. C'est Lucie Renfer Photographe, le lien est en description. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta avec grand plaisir. Moi c'est Cocam.jump. Puis comme d'habitude, hein, n'hésitez pas, petit abonnement, petite cloche. Et si vous voulez peut-être une vidéo un peu plus poussée, enfin je sais pas ce qu'on pourrait faire d'autre, peut-être une FAQ, mais genre en mode plus posé, moins sans le vlog, mais bon, je trouvais ça un peu débile de faire ça comme ça. Bref, si vous avez encore d'autres questions dans tous les cas, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, peut-être que j'y répondrai comme ça, ou peut-être que j'en ferai une autre vidéo. Voilà. Bref, sur ce les caves, moi je n'ai plus qu'à vous dire. À plus les caves.